le bon plan. La grève des éboueurs a frappé Paris de plein fouet le mois dernier, et qui dit poubelle et ordures dit malheureusement les rats. Comment les occuper pour qu'ils évitent de manger les déchets? Adrien, éclairez-nous, je vous en conjure. Messieurs, si je vous ai réunis ici, c'est pour gérer cette situation de crise. Comme vous le savez, des millions de rats ont envahi mon pays, notre pays, la France. On ne peut plus se faire marcher dessus, c'est maintenant qu'il faut agir, et malheureusement, on va devoir faire face à cette menace sans l'armée. Désolé, c'est ma faute. Emmanuel Macron m'a dit que j'avais pas les couilles. Tu as résolu ce problème sans utiliser les armes. On va donc faire sans. Fallait pas me provoquer. Qu'est-ce que vous proposez? La situation est urgente, Adrien. Alors je suis général, donc vous m'appelez mon général. Oui, mon général. C'est simple. On est 1, 2, 3, 4 autour de cette table. Je vais assigner à chacun d'entre vous un rôle pour éradiquer cette menace. Quand vous êtes pas bien, qu'est-ce qui vous fait penser à autre chose? Donnez-moi des idées. Je sais pas, ma mère. C'est pas tout à fait ça. C'est le bien-être. Être heureux, se sentir bien, le bonheur. C'est ça. L'arme qu'on va utiliser. Comment on va faire exactement, mon général? Général, donc vous avez même appelé mon général. Oui, mon général. Mon général, comment on va faire exactement, mon général? Il faut occuper les rats en les faisant penser à autre chose pour éviter qu'ils viennent manger nos poubelles. Quoi de mieux que de se sentir bien pour ne penser à rien? Je suis militaire, je sais ce que c'est de ne pas réfléchir. Axel, vous allez gérer la partie psychologique, c'est la plus importante. Vous allez m'appeler tous les psychologues de France. Je veux que ces rats se confient, je veux qu'ils résolvent leurs problèmes. Je veux voir des rats heureux, et pour ça, il faut qu'ils soient bien dans leur tête. Vous en profiterez aussi pour prendre un psy pour vous, Axel. Okay. Il va falloir encore plus de psy, mais ok. Vous êtes d'accord, Axel? Je suis d'accord. Mon général. On dit mon général. Mon général. Qu'est-ce qu'on doit faire, Benjamin et moi? On dit mon général. Qu'est-ce qu'on doit faire, Benjamin et moi, mon général? J'allais venir. Benjamin, je vous confie la partie bien-être. Ces rats doivent être détendus. Je veux du massage, du spa, du jacuzzi, du hammam, du sauna. Détendez-moi ces bestioles, bordel. Oui, mon général. Contactez tous les salons de massage. Et s'ils font la finition, c'est pas bien grave. Et moi, je récure les chiottes avec la langue. On dit mon général, Raphaël. Et moi, je récure les chiottes avec la langue, mon général. Non, Raphaël, vous allez les faire jouer. Jeux vidéo, jeux de société, tout ce que vous voulez. Et je vous connais, au milieu de ces rats, vous trouverez bien une petite chatte. De mon côté, je me charge de réunir les rats ensemble, de vous les apporter. Ayez confiance en moi, le plan va fonctionner. Monsieur, c'est parti, ok? Oui, mon général. Oui, mon général. Le bon plan.